puissance. Seigneur, puisse porter de fruits et de fruits en abondance. Nous te les demandons ces choses, Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Dans son palais, tous se crient. Gloire. Dans son palais, tous se crient. Gloire. Dans son palais, tous se crient. Sous, acclamez pour la gloire de l'Éternel. Nous applaudissons pendant que le pasteur dit maintenant de s'approcher. Amen. Alléluia. Gloire, gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de l'Éternel Dieu des armées. Vous savez, je suivais l'adoration, je vous voyais très loin de la présence du Seigneur. Je vais vous dire un secret. Pour que les miracles de Dieu se produisent dans votre vie, il faut que votre cœur soit bien préparé, comme une bonne terre, afin que lorsque la semence de la parole de Dieu tombera dessus, que cela puisse produire du fruit. Amen. Amen. Vous devez disposer vos cœurs. Car la parole qui sortira ce matin, c'est une parole qui produira du fruit. Amen. J'ai une ferme assurance que vous ne rentrerez pas chez vous de la même façon dont vous êtes venu. J'aimerais que vos cœurs puissent être disposés. Nous allons tous nous mettre debout, s'il vous plaît. En sachant que nous sommes devant la présence du roi. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17, « Ne te rends pas à la maison de Dieu sans réfléchir. Vas-y avec l'intention d'écouter. Cela vaut mieux plus que d'offrir les sacrifices à la manière de ses sensés. » Élève tes deux mains, bien-aimé, dans le Seigneur, avec tout le respect. Nos deux mains à moitié élevées, nous fermons nos yeux. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Chantons tous ensemble, s'il vous plaît. Gloire et louange, alléluia. Nous voulons tout simplement dire gloire à l'Éternel. Que tout ce qui se passera dans ce lieu soit que pour sa gloire, rien que pour sa gloire.